C'est toujours pareil, pas que sinon, hein, on cache des poules ou des lapins avec des petits œufs à l'intérieur. Tiens, et si cette année on avait caché des petits pangolins en chocolat avec à l'intérieur des œufs fourrés à l'AstraZeneca? Eh ben pas bête, voilà. Eh ben on aurait joint l'agréable à l'utile. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Allez, aujourd'hui, lundi de Pâques, c'est férié. Remarquez, pour 150 000 commerçants qui ont dû baisser le rideau depuis samedi soir, ça va être férié pour un bon bout de temps. Hein. À la base, on devait juste avoir un pont de 3 jours, on se retrouve avec un viaduc de 4 semaines. Très curieuse quand même, hein, ces fêtes de Pâques cette année quand même. Hein. D'habitude, les parents cachent les œufs pour que les enfants les retrouvent. Là, avec le télétravail plus les écoles fermées, il y a des parents qui ont préféré cacher les enfants dans le jardin et plus les retrouver. Hein. Mais c'est bien, ça change un peu. Voilà, c'est toujours pareil, Pâques sinon. Hein, on cache des poules ou des lapins avec des petits œufs à l'intérieur. Tiens, et si cette année on avait caché des petits pangolins en chocolat avec à l'intérieur des œufs fourrés à l'AstraZeneca? Eh ben pas bête, voilà. Eh ben on aurait joint l'agréable à l'utile. Parce que Pâques ou pas Pâques, ça y est, la course au vaccin continue plus que jamais. Après les dentistes et les vétérinaires, l'armée pourra aussi nous vacciner. T'imagines moi, hein? Tu m'imagines moi aller dans une caserne au milieu des soldats? Moi, depuis le temps que je rêve de dire c'est pas ma guerre, colonel. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi, hein. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Voilà, John Rambo, oui, je sais, j'ai mes références. Bah oui, allez, faut vacciner, ça y est, maintenant on pique plus vite qu'une machine à coudre. Mais une machine à coudre sans fil, hein, puisqu'on n'a pas de vaccin. Mais c'est pas grave, allez, on a même ouvert ce week-end un vaccinodrome géant au stade de l'Olympique Lyonnais. Il y avait un speaker qui était là à annoncer l'entrée des gens, tu sais. Vacciné numéro 3, Maurice Capron. Vacciné numéro 4, Robert Bricard. Remplaçant en cas d'effet indésirable, Pierre Macquart. Pierre. Et sur le banc des touches, bah tous les autres non éligibles. Voilà, bah oui. On pourra aussi le faire dans des salles de concert. Waouh, ça va être bien. Ouh, avant on y écoutait du Corona. Ouais, maintenant on le vaccine. Waouh. Bon bah tu vois que les lieux culturels finissent par devenir essentiels. Alors Pâques, qui est certainement le moment le plus important pour tous les chrétiens. Bah, le message est clair cette année, le message de Pâques. Ne vous découragez pas. Alors, ne nous décourageons pas.